Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors, pour aujourd'hui, on va avoir une brassière toute simple pour accompagner ces petits chaussons. Donc, on va avoir une brassière toute au point de mousse, simplement. Donc, avec les deux couleurs, donc le bleu, le blanc et le bleu. Donc, pour cela, il me faudra juste deux pelotes en blanc. Et une pelote en bleu. Et puis j'aurai besoin simplement des quatre boutons en bleu. Alors pour cela donc j'aurai besoin des aiguilles numéro 3 et demi et des aiguilles numéro 4 pour le corps. Alors bon, moi je préfère tricoter avec des aiguilles en disant on a dû parce qu'avec les aiguilles en bois ça glisse, je supporte pas trop. Alors donc on va prendre des aiguilles numéro 3 et demi, les aiguilles numéro 4. Alors pour commencer on va monter 80 mailles. Alors, on va monter 80 mailles. On va monter 80 mailles sur notre aiguille 3 et demi. Alors, après avoir monté mes 80 mailles, je vais monter 6 barres de points de mousse. Donc, je vais tricoter une rangée aller à l'endroit, l'autre rangée retour à l'endroit, ce qui va nous donner 6 barres de points de mousse. Première rangée à l'endroit, la deuxième à l'endroit, une barre de points de mousse, et on va répéter les deux rangées donc 12 fois pour avoir 6 barres de points de mousse. Termine la première rangée par une maille à l'envers. La deuxième, on tricote aussi à l'endroit, ce qui va nous donner une barre de points de mousse. Une barre de points de mousse derrière, fait une barre de points de mousse et on va répéter les deux rangées 12 fois, ce qui va nous donner 6 barres de points de mousse. Au total, j'ai déjà 3 barres de points de mousse. Ça me fait une barre, deux barres, trois barres. Et je vais monter 2 barres de points de mousse en blanc et je vais finir par une barre de points de mousse en bleu. Je passe devant un fil. Voilà. Fais 2 barres en blanc, donc 3 barres de points de mousse en bleu, 2 barres de points de mousse en blanc et on va terminer par une barre de points de mousse en bleu. Alors, termine. Ouais. 3 barres, ça me fait 6 barres et j'ai première colle. Alors, on va commencer à former donc
On va pas arrêter avec le bleu, pas couper le fil bleu. On va simplement accompagner, on va l'accompagner ensemble. Et pour cela, on va faire une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 13 mailles, on fait un jeté, on fait 2 mailles, 1, 2, un jeté, je fais 11 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un jeté, 2 mailles, 1, 2 mailles, un jeté, fait 24 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. 24 mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté, 11 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11, on fait un jeté, 2 mailles, 1, 2, un jeté et on termine par 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Première rangée. Tourne, on travaille. Alors, je vais faire d'abord mes 13 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, ici j'ai mon jeté. Je pique ceci, le tricoter à l'endroit. Mes 2 mailles, je les tricote à l'envers. D'accord, ce qui va nous donner. Le jeté, je les tricote à l'endroit et je récupère le reste de maille. Donc le jeté, on les tricote à l'endroit et les 2 mailles, on les tricote à l'envers. On va répéter partout sur toute la rangée. Pas suffit devant. Et les 2 mailles centrales du séparation, je les tricote à l'envers. On va répéter sur toute la rangée jusqu'à la fin. Termine la rangée. N'oublie pas de repasser à chaque fois le fil blanc, le ramène. Et on repart. Alors, cette fois-ci, de ce côté, on va faire une maille. Je ramène le fil bleu devant. Je fais 2 mailles, 3 mailles. Alors, ici, je vais rabattre
une maille. Deux mailles. Faire. Trois mailles. Et je reprends. Donc, si, c'était mon jeté, je tricote normalement, j'ai fait un jeté et je prends mes deux mailles. Si, je refais un jeté et je continue donc tout sur toute la rangée. D'accord? Donc, on fait des augmentations comme pour la première rangée. On fait un jeté et on continue sur toute la rangée. Lorsqu'on termine donc la rangée, on va repartir de la même manière. Une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le jeté à l'endroit et les deux mailles à l'envers. Chaque jeté à l'endroit, ci de suite. Et on refait la même chose sur toute la rangée. Alors, lorsqu'on arrive ici, là où on a avait, là où donc j'ai arrêté rabattre trois mailles, je vais remettre les trois mailles, une, deux et trois. Et je continue le travail normalement. Là, j'ai formé un premier boutonnière, comme vous pouvez le voir. Alors, là, je repars normalement et je refais une troisième rangée de augmentations. Normalement, je tricote. Et première boutonnière. Et on refait des augmentations sur toute la rangée pour une troisième rangée consécutive. On fait toujours un jeté et deux rangs. Un jeté et on continue sur toute la rangée. Et on va revenir deuxième fois ici. On arrive à la dernière maille. On va repartir. Comme on fait pour la première rangée, on prend les mains normalement, le jeté on les tricote à l'endroit et les deux mailles toujours à l'envers. Et on fait jusqu'à la fin de la rangée. On va terminer donc la rangée. Alors, désolé déjà pour les bruits, il y a des travaux à côté. Alors, on fait, on termine. Alors, donc, après trois rangées d'augmentation en blanc, on va faire une rangée d'augmentation en bleu. En bleu. Une maille à l'endroit, je repasse devant et je fais ma rangée d'augmentation. Trois rangées d'augmentation en blanc, une rangée d'augmentation en bleu, trois rangées d'augmentation en blanc, une rangée d'augmentation en bleu, jusqu'à la fin.
on augmente avant, vous voyez. Et là, ça va notre boutonnière. Ce qui va plier, ça va nous donner ceci. Et la première partie, c'est fini.